Salutations, c'est Casquel et aujourd'hui on va reparler de Gasland Refueled. Alors on va pas directement parler du jeu, on va plutôt parler du décor. Donc je vais retirer ça pour le moment. Là, ce que vous voyez, c'est le tapis que j'utilisais jusqu'à maintenant, que je peux encore utiliser, hein, c'est pas un souci, c'est un très bon tapis. Le seul souci que j'ai avec, c'est que en fait cette image-là était prévue pour être imprimée sur un tapis qui fait 1,20 m sur 1,20 m. Moi, comme ma table fait 1 mètre de large, je me suis dit que ce serait mieux s'il faisait 1 mètre sur 1 mètre. Donc je l'ai réduit. J'ai fait des petits calculs avant pour voir si ça passerait. Entre autres, on peut peut-être le voir ici. Là, par exemple, on aperçoit un pneu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un pneu de voiture de Twist pour voir si ça correspondait, si l'échelle était toujours bonne et c'était toujours bon. J'ai aussi vérifié, on peut le voir là sur les lignes de ligne de départ, de grille de départ. Si ça fonctionnait, si c'était toujours à l'échelle des voitures, et c'était à peu près OK. Elles étaient peut-être un petit peu étroites, mais les voitures passaient toujours dedans. En tout cas, les voitures normales. Donc ça, je me suis dit, c'est faisable. Donc je l'ai fait. Et je n'en suis pas mécontent. J'ai un très chouette tapis. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile, surtout si on se dit que ça, c'est infranchissable, que c'est des murs. On a quand même beaucoup de routes qui sont assez étroites, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit, et si on se faisait un décor un peu plus grand, en 3D, avec des obstacles déjà dessus? Au début, j'étais parti sur une idée de faire un plateau sur dune. Puis j'ai rapidement arrêté l'idée parce que je trouvais que c'était pas très cohérent, mais j'avais quand même fait un petit verre de sable pour voir si je savais le faire déjà, ce que ça donnerait et tout. Puis j'étais pas très satisfait. Il est un peu dégueulasse. L'idée c'est qu'il aurait été comme ça, il sortirait du sable. C'était juste un élément de décor. Ça aurait pu être sympa, mais c'était pas cohérent avec ce que je voulais parce que je voulais une route. Une longue route en ligne droite pour certains scénarios du manuel. Je ne me rappelle plus du nom des scénarios, mais il y a un scénario avec une forteresse mobile et des voleurs. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, où il faut une longue ligne droite, donc j'ai abandonné le projet. Je suis parti sur Paint. Alors, faut pas faire attention à la ligne dégueulasse ici. Mais bon, là, le truc est sale parce qu'il a traîné un petit peu partout. Voilà, donc j'ai dessiné ça sur Paint. Donc on voit simplement une route qui part en diagonale. Alors là, la ligne noire, c'est pour indiquer que je vais faire ça sur deux panneaux. Ce que j'ai fait, c'est que. Ouais, j'expliquerai après. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un schéma de ce que je voulais à peu près. Donc je voulais une route qui traverse en diagonale. La partie sombre, c'est pour indiquer que ça descend un petit peu, ça remonte après. Je suis parti un petit peu sur la difficulté. Et le chemin, tout ce qui est marron, c'est du chemin de terre. La petite flèche jaune ici, ça indique qu'il y a une montée au contraire, et que là, c'est un tremplin qui permet de sauter au-dessus de la route. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je dis. Et cette route orange est elle aussi un petit peu creusée, de façon à ce que, quand elle rejoint la route, elle est au même niveau que la route. Voilà, tout simplement. Parce qu'ici, évidemment, si on part sur le côté et qu'on est sur la route, qu'on tape ici, on tape dans un mur, du coup, puisque la route est creusée. Alors que là, c'est déjà OK. Ça nous permettrait de prendre un raccourci. Celui qui ne veut pas tenter le tremplin peut tenter de prendre un raccourci sur le côté. Donc voilà, je me suis dit deux plaques de polystyrène expansé. Ça me ferait un truc qui fait à peu près 1,20 m sur 1,20 m. Ça me paraîtrait correct. Donc ça, c'est l'idée du départ. Donc j'ai acheté une plaque. En fait, j'avais demandé. Ma femme était au brico. Elle m'a passé un petit coup de fil pour me dire. Tu voulais pas quelque chose? Donc j'ai dit si, prends-moi une plaque de polystyrène extrudée, pardon, pas expansée, extrudée. Elle m'a pris une plaque, mais qui était un peu trop fine pour ce que je voulais faire, mais je m'en suis quand même servi hein, pour faire des éléments de décor et des tests. Voilà, donc là j'ai testé une route. Alors faut pas faire attention à la couleur, parce que là ce que j'ai testé c'était de mélanger de la peinture directement dans le plâtre. C'est une espèce de plâtre, ça vient de chez Action, c'était un sac blanc plaster, je sais plus quoi, c'est un enduit de rebouchage. Hein. L'idée, c'était de mettre la peinture dedans et de venir le casser après au marteau. Comme ça, j'ai pas besoin de peindre à l'intérieur et de faire des nids de poule. Et je trouvais que ça donnait très bien. Ça faisait un style route belge, là, tu vois. Voilà. Ça, je pourrais vous expliquer aussi, mais c'est fait avec un produit qui s'appelle terre de diatomée. C'est un truc pour. C'est un déparasitant pour les poules, je crois. Je peux vous le montrer. Donc, c'est ce produit-là. Diatosect, alors en vrai, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, c'est marqué contre les poux rouges et les puces, machin. C'est une poudre qui ressemble un petit peu à de la farine
Et en fait, j'ai vu ça sur le YouTube allemand. J'ai vraiment cherché, j'ai fait des traductions et tout. Et on mélange cette poudre. Donc d'abord, on va mélanger de la colle PVA avec de l'eau, à peu près à 50-50, pour avoir quelque chose qui ressemble à du lait. Et ensuite, on mélange à peu près, je dirais, deux doses de cette poudre avec une dose de colle pour faire une pâte qu'on va étaler, qui sera blanche, hein, bien sûr. Et après, je dirais 24 heures, ça a séché et ça nous fait ce style de craquelure que je trouve vraiment très bien. C'est poreux un petit peu comme du plâtre. Donc là, ça a été peint avec un jus, je pense. Il y a un petit moment que j'ai fait ça. Donc c'est juste pour cette partie-là et là. Hein. Donc ça se peint très facilement sans mettre beaucoup de peinture et je trouvais le style vraiment cool. D'ailleurs, j'ai pas réussi à reproduire tout à fait la même chose. Enfin, disons que j'ai fait une couleur puis ça me plaisait pas. Donc j'ai repeint pour refaire au-dessus. J'ai rechangé de couleur pour finir. Le truc était plus poreux. Ça ne se peignait plus pareil. Ça, c'est simplement de. C'est la même chose que ça. J'ai simplement rajouté de la peinture dedans. Et je lui ai donné une texture pour faire une route boueuse. Pour finir, ça a été repeint par au-dessus encore en marron. Et j'ai rajouté des grains de café un petit peu pour tester la texture. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du truc. Ouais. Voilà, donc ces différents tests. Là, j'ai testé, c'est simplement du sable collé. Et puis j'ai testé des peintures dessus. Et ça, j'ai simplement sculpté dans le polystyrène pour voir ce que ça pouvait donner en texturant le truc. Donc en mettant des briques plus profondes que d'autres. Donc j'ai appuyé dessus simplement pour faire comme si celle-là était ressortie un petit peu. Le trou, c'est simplement que je me servais de ça pour faire sécher des trucs. J'ai planté un cure-dent et je faisais sécher des trucs. Ça, c'est juste des poils. C'est un test aussi. C'est des poils de pinceau que j'ai collés. Voilà un vieux pinceau et voilà on teste et je me suis dit au final on arrive quand même à faire des textures sympas. Allez, on va acheter les plaques et on va se marrer. Donc j'ai acheté une plaque comme celle-ci mais plus grande. Du coup ça c'est une chute que quelqu'un m'a donnée pour faire les éléments de décor, mais c'est la même épaisseur. Donc on a deux plaques comme ça mais qui vont faire 1,20 m sur 60 à peu près. Et je vais en mettre deux côte à côte pour faire mon truc qui fait 1,20 m sur 1,20 m. Voilà, et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, au final, on se retrouve avec un plateau qui fait plutôt 1,25 m sur 1,20 m, parce qu'en réalité, les plaques font 1,25 m de haut et elles font bien 60 de large. Je vous fais un petit tour comme ça, vite fait. On verra peut-être pas tout sous cet angle-là. Faites pas attention au bordel qui est derrière, on s'en fout. Ici, c'est de la résine. Donc on aperçoit une route assez longue. Je peux monter encore un peu comme ça. Voilà. Je me suis amusé à faire des traces, style un petit peu traces de freinage. J'ai abandonné l'idée des nids de poules. Ça reviendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas mis. J'ai fait aussi des traces de terre pour augmenter un peu le réalisme. Si on regarde aux sorties des chemins comme ça, j'ai voulu faire des traces de boue que j'ai dessiné avec les pneus des voitures. Là, j'ai fait une tache, style tache d'huile, machin. Là, c'est la zone où je disais que j'étais pas très très satisfait. Alors, l'éclairage sera forcément moins bon parce qu'il n'est pas placé ici. Mais voilà, ma zone craquelée ressemble à ça. La peinture est pas folle. Il y a pas mal de défauts ici, mais en gros, ça va. Ces rochers-là, celui-ci et celui-là, ainsi que les deux petits qui sont là, ont donc été sculptés dans cette plaque que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est juste ça, hein, c'est juste du polystyrène extrudé, pas d'outils spéciaux, hein, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord, ça a juste été fait au cutter. Voilà, j'ai fait aussi une petite sculpture, toujours au cutter, mais je me suis quand même imprimé un gabarit au PC. Voilà, je voulais un panneau d'affichage style Hollywood, mais Gasland, et je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de roche sculptée. Au début, j'étais parti sur une idée de faire comme Hollywood, hein, des lettres blanches métalliques. Puis pour finir, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai le polystyrène, la roche, je commence à gérer, je vais faire ça. Et au final, ben, je suis plutôt content. Ces petites barrières-là, bon, la langue n'est peut-être pas bon, elles ont l'air un peu dégueu. C'est simplement du carton que j'ai séparé. Vous savez, le carton il est en plusieurs couches et il y a une couche qui est ondulée. Voilà, je l'ai simplement trempé, séparé, repeint et rouillé. C'est de la vraie rouille d'ailleurs, j'expliquerai ça après. J'ai fait aussi des petits panneaux d'affichage qui sont fixes, hein, que je ne peux pas enlever. Donc on voit sur cet angle-ci, c'est le Miyazaki. Ici, c'est le même, hein, c'est le Verso, c'est le Rutherford. Ici, c'est la Geôlière. Et le Verso, c'est Mishkin. Ces poteaux, c'est simplement des pailles
des pailles en carton chez Action, des pailles vertes. Je les ai repeintes en noir, j'ai fait un effet métallique et j'ai appliqué de la rouille dessus. C'est de la vraie rouille. J'ai mélangé, en fait, enfin, j'ai fait tremper dans du vinaigre. Comment ça s'appelle encore? Ces espèces d'éponges métalliques là, de la laine de fer, que j'ai laissé quelques jours, quelques semaines, dans du vinaigre, dans un petit pot. Je peux vous montrer ça. Alors, au début, je laissais le couvercle ouvert parce que ça dégage, j'avais pas envie que le verre explose. Et en plus de ça, je crois que c'était toxique dans les premières demi-heures, donc il faut faire attention. Donc voilà, là-dedans, laine de verre et du vinaigre, ça te fait, voilà, un peu difficile à ouvrir parce que ben, ça rouille. On va voir toute de la rouille qui tombe. Ça te fait un jus, comme ça, que tu appliques. Normalement, on met ça genre sur du bois ou quoi. On applique ça sur n'importe quoi. Au moment où on l'applique, on ne le voit pas trop, enfin, on voit que c'est un peu brunâtre. Et si on laisse sécher, eh bien, ça rouille. Et du coup, ça nous fait une très belle rouille. Donc ça, c'est chouette. Bon, par contre, c'est un peu crasseux. J'aspirerai ça après. Voilà. Donc, prochaine étape, ça va être de faire une belle partie sur ce plateau. Là-bas, j'aperçois encore un petit muret. Donc ça, je l'ai dit, hein, ça, c'est simplement du sable collé. J'ai collé du sable, hein, j'ai saupoudré du sable dessus, que j'ai ensuite peint une couche de noir mélangée avec de la colle pour que ça tienne. Et ensuite, je suis passé avec un beige, voilà, un peu. En fait, il fallait beaucoup de marron pour ce plateau. Le truc, c'est que du marron, j'ai utilisé des peintures Action, hein, voilà, Van Blaze Week là. Tout ça, c'est chez Action. Hein, enfin, on voit pas, mais les rochers là, c'est Action. Hein. C'est pas la peine de prendre du Citadel pour faire ça. Les routes, c'est tout pareil. Sauf que chez Action, ils n'ont pas de marron. Du coup, bah, il faut s'amuser à faire des mélanges pour faire un marron. Bon. Mais ça marche, ça vient pas de chez Action. On le voit un petit peu là-bas, le petit mur là-bas, c'est simplement une cale. Donc c'est des cales pour placer les châssis, ça se vend. Il y en a de différentes épaisseurs, de différentes marques, de différentes couleurs, voilà. Donc ça, c'est comme ça, je vous en sors une. C'est juste des petites plaques en plastique comme ça. Malheureusement, quand je l'ai acheté, j'ai pas vu qu'il y avait leur marque dessus. Mais c'est pas très grave. Du coup, pour faire ce petit muret qu'il y a là-bas, il y en a un autre ici. Hein, c'était pour faire un petit peu style mur de soutien pour la terre qui est au-dessus. Bon, j'ai simplement appliqué de l'enduit de rebouchage, toujours de chez Action. Hein, et j'ai simplement dessiné dessus des briques, et voilà. Ensuite, ça a été peint et collé. Mais ça, c'est pas mal pour faire différentes textures. Hein. Donc ça, ici, c'est rayé. Donc on peut s'en servir pour faire des... Une fois que c'est peint en couleur noire métallique, ça te fait un plancher métallique. C'est dommage qu'il y ait la marque dessus, mais on en trouve sans marque. Et l'arrière, je suis sûr que ça peut servir aussi à quelque chose. La voiture. Ben, la voiture, elle a été collée dans un trou. Ensuite... J'ai mis de la résine, j'ai fait couler de la résine dans le trou. Et pour cet effet un petit peu plus clair, j'ai simplement mis un colorant que j'ai mélangé par la suite, alors que j'avais déjà coulé la résine. J'ai mélangé vaguement pour faire un petit peu comme si la voiture venait de tomber et que la couleur s'était un peu éparpillée. Voilà, le panneau, je ne sais pas si on le voit, voilà, qui dit attention à dépôt de produits chimiques. C'est un bout de bois, hein, c'est un cure-dent en gros, enfin c'est un piqué à brochette, le panneau est en carton et le papier a juste été imprimé. Voilà, c'est rien de foufou en fait. Au final, ça m'a pas coûté grand-chose. Hein. Le truc qui coûte le plus cher là-dedans, c'est la résine. Je pense que là, il y en a pour 25 euros de résine, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est chiant. Et tout le reste, bah, une plaque, ça coûte peut-être 10 euros. Alors c'est sûr que tout au total, j'en ai eu pour plus cher que la résine. Hein. Mais une plaque, ça coûte peut-être 10 euros. Je sais plus exactement. Les peintures, je peux pas vous dire ce qui a coûté cher aussi, on s'en rend pas compte, mais c'est la colle blanche quoi. La colle blanche, j'en ai utilisé beaucoup parce qu'à chaque fois que j'appliquais une couche de peinture quelque part, en général, je mélangeais de la colle avec histoire que ça tienne et que ça nous fasse quelque chose de solide. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quelque chose de grand, mais qui ne pèse, ça pèse rien du tout quoi. Voilà, ça pèse rien et c'est quand même quelque chose de solide. Enfin, solide si on fait attention, évidemment. À l'avenir, est-ce que j'hésitais à me mettre un bord ici, où de l'intérieur on verrait peut-être un effet béton, genre mur d'enceinte. J'hésitais parce qu'après ça pose problème pour le stockage. Parce que là, moi je pose ça, ça prend de la place, hein, donc moi je pose ça à l'extérieur. Mais on va dire dans une véranda, donc c'est à l'abri de l'humidité. Alors c'est pas ce côté-ci, mais je le pose d'un côté où il y a ce bord qui dépasse. Normalement ce bord est censé s'emboîter dans l'autre partie. Hein. Donc on a une partie où il y a.
un trou comme ça, et donc normalement cette partie-là vient s'emboîter dedans. Et moi je le pose de ce côté-là, enfin l'autre par là, mais de façon à ce que ça puisse abîmer ça, parce que ça je m'en fous. Et voilà, mais peut-être que plus tard je couperai, que je ferai un mur, mais franchement je suis pas sûr, parce que j'ai pas envie que ça pèse non plus 30 kilos, là, comme je vous dis, hein, ça pèse rien, hein, c'est assez chouette. Et donc je parlais de la longueur de la ligne droite, je vous place le mètre de l'autre côté, je reviens. Voilà, voilà, donc on a quand même une belle ligne droite d'1m73. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vraiment du coin au coin, donc on sait même pas placer une voiture, mais même si on vient placer notre voiture ici, comme ça, là, ou là, peut-être même là, on a quand même une ligne qui va nous faire au moins 1m50, 1m60, hein. Ce qui fait que maintenant, il y a possibilité de jouer avec la règle des différents types de terrain. C'est une règle qu'en général on n'applique pas, en tout cas nous on ne l'appliquait pas. Sur une route normale, donc un terrain facile, on peut se retirer un jeton de danger à la fin de notre étape de déplacement. Sur une route difficile, si n'importe quelle partie du gabarit de déplacement ou la position finale du véhicule après avoir résolu les dés de manœuvre couvre une surface de type difficile, donc juste si on est passé sur un chemin difficile, dans notre cas ici le chemin difficile c'est le chemin de terre, le véhicule prend un jeton de danger à la fin de son étape de déplacement. Les terrains dangereux, eh bien là c'est la même chose, mais on se prend deux jetons de danger. Donc ça, ce serait plutôt les zones comme ici, ou peut-être la zone craquelée comme là. Et enfin, il y a le bord de piste où là on est éliminé, hein, c'est le terrain interdit. Et on pourrait aussi considérer que le lac d'acide, l'étang d'acide, pardon, serait ce type de terrain où quand on rentre dedans, c'est perdu. Je vais peut-être vous montrer une petite vue d'ensemble et ensuite, bien, ce sera la fin. Bon, là je tiens mon téléphone en main, du coup, ouais, ça tremblote pas mal, mais comme ça on a quand même une vue d'ensemble. S'il faut, je vous mettrai des photos qui ont été prises avant que j'éclaircisse un petit peu les bords du plateau. Donc voilà, maintenant à ça, on va rajouter les éléments de décor amovibles. Et on n'a plus qu'à jouer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !